Nous sommes sur le stand de chez Bosch avec Olivier. On a déjà fait plusieurs Bonjour. Vidéos ensemble. Je suis très heureux de te retrouver. Moi aussi. On est chez Bosch. Là, tu vas nous montrer des couleurs, plein de couleurs dans la maison et plein de nouveautés. Bosch se lance dans les couleurs et de manière hyper facile. Ça s'appelle VarioStyle. VarioStyle, c'est un concept. Ce concept, c'est que peut-être que vous achetez un très bel appareil et que 2 ans plus tard, vous avez envie d'une autre couleur. Rien de plus facile avec Bosch. Regardez, je n'ai pas de tournevis. Tac, tac, hop, on change. On va mettre de la couleur dans la maison. Et voilà. Ah oui. Il existe une bonne dizaine de couleurs comme cela maintenant, aujourd'hui, et d'autres vont encore compléter la gamme. On est sur un frigo pose libre. Hein. Il s'agit de 2 frigos pose libre. Il y en a deux formats différents. C'est un combi bottom. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il a le VitaFresh, il a toute la technologie de froid. Et de conservation très performante. Et de conservation performante avec un contrôle de l'humidité et de la température au-dessus et en dessous pour viande, poisson, fruits, légumes. Pour ceci, petit rappel, l'année dernière, on avait tourné une vidéo avec Marc qui concernait les VitaFresh. Très intéressant à aller voir quand on expliquait vraiment l'avantage des VitaFresh. Vraiment de la couleur dans la maison, on peut faire ce qu'on veut. Et donc actuellement combien de couleurs plus ou moins? Actuellement nous sommes à 19 couleurs. Ah oui quand même. Et donc vraiment il y a un grand choix. Enfin où 19, où il y aura 19 couleurs. Et c'est quel matériel? C'est de l'aluminium ceci? Alors c'est du métal hein. C'est du métal. Tout à fait, vous mettez vos magnets habituels sur votre frigo si vous voulez. Vous choisissez les couleurs. Vous voulez en jaune aujourd'hui. Vous voulez épater vos amis en rose demain. On fait à ce vous le veut. Choix VarioStyle, vraiment VarioStyle. Magnifique. Donc la deuxième chose que tu voulais nous montrer, c'était une maison connectée. Comment tu m'as dit ça? Bosch, ce n'est pas uniquement de la couleur dans la maison, c'est aussi the easy way to perfect results, comme on dit en anglais. Okay. C'est-à-dire, Bosch, avec sa technologie, veut pouvoir promettre non seulement du confort, mais des résultats parfaits. Suivez-moi. Allons-y. On va aller à la cuisine. Je t'en prie. Donc, easy way to perfect result. Donc, c'est-à-dire, avec la technologie, on obtient une manière beaucoup plus facile de cuisiner, aisée. Quelques exemples. Perfect Air. Nous avons ici une table de cuisson de 80 avec une hotte intégrée. Disponible au cas où en magasin. Elle est en fonctionnement branché chez nous. Vous pouvez même, et ça c'est unique chez Bosch, et d'autres marques, vous pouvez placer une casserole bouillante dessus. Pour l'entretien, entre nous, on enlève. C'est de la fonte, c'est solide. La hotte s'interrompt quand on enlève le filtre, hein, je le précise. Et alors ceci va au lave-vaisselle. Complètement. Et alors évidemment tout le monde dit oui, mais et si quelque chose coule dedans? Il y a une ouverture par ici qui donne un réservoir de 2 litres d'eau en dessous. Il faut vraiment être très maladroit. Il faut vraiment être très maladroit. De toute façon, il y a coupure automatique de l'induction dès qu'il y a débordement. Induction, dit aussi ici, Perfect Fry. Perfect Fry, c'est une technologie avec des capteurs qui se trouvent en dessous de chaque inducteur qui permettent de garantir, quand vous cuisez, de travailler par des zones de température au lieu de juste des puissances. Et ça veut dire qu'on peut demander à son grill d'être à 190 degrés. Vous pouvez demander à votre induction de faire attention aux graisses que vous brûlez. Par exemple, vous dites « je suis en position 2 ». Il sait que c'est de l'huile quelque chose avec de l'huile d'olive ou une omelette. Et j'ai déjà, par exemple, fait une omelette pendant 3 quarts d'heure. À chaque fois, pendant ces 3 quarts d'heure, j'ai fait le distrait. La hotte a diminué sa puissance pour maintenir la bonne température. Et donc, on cuisine sainement. Et ça vous permet enfin d'être un peu distrait en cuisine, voire de prendre l'apéro un peu plus longtemps. Ne pas avoir peur de brûler. Magnifique. Sans rien brûler. La technologie dans les fours a aussi ce qu'on appelle Perfect Roast. Perfect Roast, c'est le capteur de cuisson ici. Qui va sur 3 points de mesure vous dire quand votre roast beef est prêt. C'est-à-dire au degré près, la température nucléaire au cœur de votre aliment vous prévient, ting, le roast quand beef c'est prêt. Est prêt. Donc on ne peut plus rien rater, on pique on dedans, ne sait plus et rien on demande, rater. Voilà, on sait que rosé c'est 61 degrés au cœur de la viande et il s'arrêtera à 61 degrés. Et il vous prévient, et le vous four prévient, s'arrête bien. Et vous prévient. Donc, et de même, Perfect Air, Perfect Fry, Perfect Roast et Perfect Bake. Là, il s'agit de pâtisserie. C'est la sonde lambda en ce moment. C'est la sonde lambda que vous avez dans votre voiture, hein, qui est une technologie Bosch et qui est intégrée dans les fours, qui mesure le taux d'oxygène et le taux d'humidité en haut à droite au-dessus.
fond. Il faut vraiment filmer l'intérieur du mouf, mais je ne sais pas si tu vas la voir. Mais donc c'est une sonde qui détermine le taux d'oxygène présent dans le four, qui va diminuer car votre cake libère de l'humidité, oui, qui donc prend la place. Et quand la courbe monte, quand votre cake est prêt, il libère moins d'humidité incrémentale, supplémentaire. Et donc le four vous prévient. Donc, votre cake est prêt. On a un programme automatique, on a le programme quiche, on met sa quiche dedans. Oui. Okay. On appuie sur quiche et c'est la sonde qui fait tout le boulot. Et c'est ça s'arrête quand c'est prêt. Vous n'avez rien à dire au four, voilà. Il vous prévient que la Mais quiche est prête. Mais c'est lié à un programme automatique. C'est lié à un programme automatique. D'accord. C'est pour bien préciser à ce moment-là. Continuons à parler de technologie. Là, quand on est dans les lave-vaisselles, il y a la technologie de séchage. Alors oui, on avait, c'est un... Voilà, tout à fait. Donc non seulement on n'a plus ce nuage de vapeur qui vous saute à la figure quand on ouvre le lave-vaisselle, bonne chose. Deuxième chose, pensez au lunchbox de vos enfants, tout ce qui est plastique et top et autres Tupperware en ressort sec. On en avait parlé l'année dernière, on a fait une vidéo qui va bientôt sortir concernant la zéolite sur notre site. Et donc maintenant, voilà, ça suit vraiment l'idée toujours du perfect dans la maison Bosch parfaite en fait. Parfait. Et on continue, hein, on l'a vu là tout de suite avec les frigos Vario Style. Quand on veut, et c'est très tendance, intégrer un frigo pose libre, oui, dans une niche, on le sait trop rarement, mais normalement il faut toujours minimum 5, oui, cm de part et pour d'autre. Pour les portes en fait, pour le débord des pour portes. Pour éviter la condensation, parce que les parois sont toujours plus froides. Qu'est-ce qui a été fait pour cette gamme Perfect Fit chez Bosch? On a enlevé le condenseur, la petite grille qui se trouve à l'arrière de votre frigo. On l'a intégré dans l'isolation de part et d'autre de votre appareil. Plus de condensation. Donc nous avons maintenant des appareils qui vont chauffer les parois extérieures et supérieures. Et donc zéro condensation possible. Donc à ce moment-là, sur un frigo de 60, on fait une niche de 61, 5 mm de chaque côté. Ça rentre et comme tu as fait ici, ça fait parfaitement. Et vous gagnez près de 10 cm d'armoire. Ouais. Alors, on va aller voir maintenant une hotte qui est connectée très très plate de l'autre côté de ce mur-ci, oui, et un four, un grand four. Ceci n'est pas une télévision. Ceci est une hotte. Une hotte, c'est une hotte murale. Une hotte murale, on se l'imagine toujours horizontale. Elle peut être inclinée, inclined, oui. Mais cette fois-ci, Bosch a été plus loin avec une hotte flat screen, comme elle, on dit. Elle est à utiliser fermée. Elle est à utiliser fermée. Voilà, je l'ouvre pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a le filtre à graisse. Quand on ouvre, il y a derrière le filtre à charbon actif, qui dans ce cas est un filtre à charbon actif recyclable, régénérable. On le régénère comment? On le régénère à raison de 2 heures dans un four à 200 degrés. Et vous avez 30 régénérations possibles sans aucune perte d'efficacité. D'accord. Si on régénère le filtre à raison de 3 fois par an, c'est-à-dire tous les 4 mois, le filtre dure 10 ans. D'accord. Okay. Si on le fait 2 fois par an, le filtre dure 15 ans. C'est unique. Et je vois ici, un filtre en dessous. Le logo, oui, Wi-Fi, donc tout est connecté via une application que vous appelez Home Connect. Hein, qu'on avait déjà d'ailleurs vu ça, c'est même la hotte évidemment. Alors, il y a deux choses. D'abord, dans ce cas-ci, la table de cuisson et la hotte sont connectées. Donc vous pouvez commander la hotte à partir de la table de cuisson. Oui. Vous n'avez pas besoin de Wi-Fi à la maison, il y a un petit module comme intégré. En plus de cela, il se fait que cette table de cuisson et cette hotte sont équipées avec Home Connect. Home Connect est une application qu'on télécharge. Est une application gratuite que l'on télécharge et avec laquelle on peut commander les appareils à distance. Vous allez me dire, oui, mais je dois encore aller à l'appareil. Oui, mais je dois encore mettre ma tasse à café. Oui, mais je dois encore mettre mes assiettes dans la lave-vaisselle. Oui, je dois encore mettre mon poulet dans le four. C'est vrai. Mais grâce à Home Connect, vous avez une commande qui est plus grande parfois que sur l'appareil. Grâce à Home Connect, vous avez plus de possibilités avec votre iPad que sur l'appareil même. Exemple, vous avez ici une lumière d'ambiance. Qu'on peut changer. Vous en avez 6 ou 9. Et sur Home Connect, vous en avez 256. Oui, donc c'est vraiment une multiplication des petits détails de la vie. C'est ça qui fait que Home Connect, évidemment, on doit continuer à cuire devant sa TAC, mais tout est disponible sur son téléphone. Vous avez un frying sensor, bien, grâce à Home Connect, on va vous expliquer quelles étapes suivre. Mais c'est plus qu'une télécommande pour la télé, hein, ce n'est pas là. C'est en plus l'appareil qui va communiquer avec vous. Oui. Par exemple,
Je ne sais pas où se trouve votre lave-linge ou votre sèche-linge à la maison, mais chez moi, il est dans une cave. Et dans la cave, le bip qui est après, je ne l'entends pas. Il s'est relié à l'homme. Et en général, on descend deux, trois fois pour savoir si la lessive est enfin finie. Donc ici, à partir d'aujourd'hui, c'est le confort, c'est Home Connect qui vous préviendra quand votre appareil a terminé. Magnifique. Vous pouvez également dire, je vais bricoler dans le grenier et je voudrais que mes lampes Philips UE se mettent à clignoter ou changer de couleur quand mon lave-vaisselle a terminé. Magnifique, très clair au niveau du Home Connect. Une dernière petite chose en Bosch que j'aimerais voir, c'est ce petit four-là. Oui. Vous savez que pour Home Connect, en plus, bientôt, maintenant, la majorité des appareils seront... On pourra les commander avec la voix. Donc, nous travaillons avec Alexa d'Amazon. Tout à fait. Où, en restant à table, vous demandez, Alexa, allume la hotte ou arrête la hotte. Tout à fait. Ou éteins le four. Ça va être très bien. Bonne évolution. Nous sommes ici devant c'est une un nouvelle retour, série. C'est un retour, ceci. C'est un retour. Il avait déjà existé et il est revenu. Il a déjà existé et il est revenu. Alors, nous l'avons ressorti pour compléter notre offre dans la série 6 chez Bosch, qui est une série qui offre des appareils de qualité Bosch, mais avec un prix plus abordable pour les personnes qui disent « je n'ai pas besoin ou pas envie de toute cette technologie que nous venons de voir, tout ce confort. Par contre, je veux du bon, du solide, du appareil de confiance. » Et de la taille. C'est une taille monstrueuse. Nous avons 90 centimètres. Donc, on a un four tout à fait complet pour les grandes familles, les familles nombreuses qui veulent... Les anciens modèles, c'était l'ancien display, tout ça a été revu maintenant. Regardez-moi ce... pratiquement dans la cuisine, maintenant. Ce look. Voilà, incomparable. C'est vraiment un beau look. Bosch a connu une évolution terrible en termes de design. On va continuer, on va aller ensemble chez Siemens pour deux, trois nouveautés et également aussi un four de 90 un peu nouveau. Oui, on va le voir. On va voir ça tout de suite, c'est parti.